Salut les amis, c'est Supra3910. On se retrouve pour une petite vidéo sur Fallout 76. Profitez de la balade. On va essayer de trouver des choses à faire sur Fallout. On va dégager, dégommer déjà ces super super les super mutants de merde. Putain de merde, ils vont me faire chier ça là. Ils vont me faire chier. J'ai pas beaucoup de balles, c'est ça le problème. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ah ouais, on va se détendre. Ça en deux. Qui c'est qui va casser qui en deux? Ça, faut qu'il y ait des super mutants. Ça, c'est un truc de taré. Ok. Viens voir tonton d'homme. Tiens, brûle, fils de pute. Brûle. La 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 la. Cartouche de 45, c'est bon ça. Oh, une mine à frag. Allez.
là. Sans déconner. Tiens, grenade, fils de pute. Oh, et merde. Ah. À l'assaut. Fumier, bah. Pardon monsieur. C'était tendu là. C'était tendu les amis. Machine à café. Putain, c'est quoi, ils m'ont donné le hockey. Sale bête. Bon. Et une bouteille de bière. Il a plus rien. J'en ai quoi qu'il y a là-dedans, moi, de base, je crois. Vous êtes en surcharge. Non, sans déconner, c'est vrai. Alors de base, c'était pas ça que j'étais venu faire. Recycler des pièces. Ah, ça ouais. Fusil d'assaut. On recycle. Le lance-missile. On recycle parce que j'ai le perce-bunker en... super masse, on garde, ça peut servir. La super masse, je peux peut-être les garder. Fusil à pompe, par contre, je vais le recycler. Parce que quand je pourrais. Non, non, j'ai vu qu'il y avait un plan. Pour en construire un, il faut que je l'achète. Donc, voilà. Faut que je fasse des capsules. Bon! On continue là.
Ok. Voilà. Bon, comme je disais, avant qu'on soit coupé par les super mutants, hein, la baston hippique des super mutants. Ils nous ont rajouté des sacs à dos, ça c'est sympathique. Mais le truc, c'est parce que on part sur quelque chose de gentil, mais il y a autre chose derrière. Mais le truc en fait, c'est que les sacs à dos, on aurait pu les avoir dès le début du jeu s'ils avaient pris leur temps. Il est là, c'est pas méchant, hein. C'est juste, voilà, c'est juste que ils auraient pu faire ça dès le début du jeu et nous avoir sorti d'attendre. Laisser prendre leur temps. Oh putain, il y a des ghouls. Coucher, j'ai dit coucher. Ils auraient pu attendre un petit peu avant de sortir le jeu et peaufiner un petit peu. C'est surtout ça. Toi, je vais t'éclater ta face. T'as un problème, toi? Couché, on a dit. Mais toi, t'as un problème? Toi, ta gueule. C'est ça que tu voulais dire? Bon, donc, je voulais dire que là-dedans, il doit y avoir pas mal de choses à voir. Que comment dire, s'ils avaient que ça y est, je sais plus, oui, ils auraient attendu un petit peu. C'est pas méchant, hein. C'est moi, je vois le truc comme ça. Quand tu fais un jeu vidéo, que ça soit un Fallout, c'est vrai que Fallout. Au bout d'un moment, quand tu joues en solo, quand tu joues à Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4, quand tu joues en solo, tu te fais vite chier. Véridique, hein. Tu te fais vite, 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 vraiment chier. Et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir un Fallout multijoueur, je me suis dit, putain, mais ça va être bien. On va pouvoir jouer avec nos potes. Viens me chercher. Donc, quand vous voulez faire un jeu multijoueur, essayez que ça soit au moins terminé à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que finir un jeu à 50%, tu oses me tirer dessus, toi. Oh, je me tire dessus. Viens ici. Viens ici. Putain, je me tire dessus encore. T'as un problème, toi aussi? Et 10 mm, fusil à pompe.
Peut-être rallumer la lumière. Que quand il fait un jeu multijoueur, au moins faites-le en sorte qu'il soit terminé, quoi. Parce que vu tous les bugs, je veux bien qu'un jeu multijoueur ait des bugs, mais pas autant de bugs qu'il y a sur Fallout, quoi. C'est un truc de taré. C'est sûr qu'ils rajoutent des trucs. On rajoute. Franchement, j'aimerais bien que, au début, ils en ont parlé. Qu'on puisse réparer un véhicule, une petite Jeep, un petit truc comme ça. Tu te fais ton propre véhicule. Et comme ça, tu peux stocker. Tu peux stocker. Bonsoir, dans l'endroit. Ah, tiens. Tu stockes. Tu stockes, tu fais ton truc, machin. Tu stockes dans ton véhicule. S'il y a un joueur qui passe, il peut pas le détruire. Et il peut venir. Et stocker, faire comme ils ont fait avec les caches. Seul toi, tu peux mettre tes affaires dans les caches, augmenter le poids des caches, parce que 800, c'est trop petit encore, parce que bon, on sort de 25 ans d'un abri et il faut que tu reconstruises. Et le truc, en fait, c'est que si tu veux reconstruire, il faut forcément du matériel. Et le matériel, en fait, il faut le stocker. C'est surtout ça que là où je veux en venir. Et il y a des zones où il y a des zones PVP, les ateliers, tout ça. Ça franchement, moi je trouve que le PVP n'a rien à faire sur un Fallout. Parce que la base de Fallout, c'est quand même aider les autres. C'est surtout ça. Aider tout le monde. Parce que quand tu joues à Fallout 4, Fallout New Vegas ou Fallout 3, tu te retrouves toujours dans des situations où tu dois aider tout le monde. Casse-toi, toi, tu me casses les couilles à la fin. Mes gâteaux. Non, je veux retirer ça. Je t'emmerde, Charlie. C'est en grande partie à cause de toi. Je me retrouve coincé dans ce merdier. Ah, il a dit je t'emmerde. Sympa, le mec. Non, mais voilà, le... Fallout, pour moi, Fallout, c'est de céder. C'est aller. Bon, c'est sûr que Fallout 76, t'as pas de PNJ. Donc, c'est un peu plus dur d'aller les autres. Mais, se serrer les coudes entre joueurs, putain, sans déconner. Faut pas être bachelier pour pouvoir aider les autres. C'est surtout ça. Faut pas être complètement teubé. Pour comprendre que c'est quand même la post-apo, il faut pas non plus pousser les gens à bout, quoi. Parce que plus vous allez les pousser, plus vous allez pousser les gens à bout, plus les mecs ils vont partir de Fallout. Parce que je suis sur une page de Fallout 76 sur Facebook France, et quand je vois, tu vas crever toi. Ce que marquent les mecs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, les ateliers PV, les ateliers c'est égal au PVP, mais c'est pas parce qu'il y a du PVP que vous êtes automatiquement obligé de vous foutre sur la gueule. C'est là où je veux en venir. Normalement, tu dois pouvoir passer par en haut. Ah, bah voilà, il y a un escalier par là normalement. Donc faut se dire que
Certes, Fallout 76, il y a des joueurs. On est quand même un jeu multijoueur. Il faut quand même réfléchir avant. Soigne-toi, mais soigne-toi, demeurez. Putain, même pas foutu de se soigner quoi. Et voilà, non, non, pas ici, pas ici, pas ici, tu rêves. Je vais revenir là où j'étais. Attends, je suis où là? Oh, Georgette. C'est sérieux? Attends, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de moi là. Alors, je dis quelque chose de gentil sur Fallout. Et tu peux même pas respawn là où t'es mort. Vous vous foutez de ma gueule, Bethesda là. C'est pas possible. Putain, et en plus, il faut que tu payes quoi. 22 capsules quoi. L'arnaque. Putain, le mec, je dis quelque chose de gentil pour une fois sur Fallout, et ça te montre bien que c'est un putain de jeu de merde. C'est un truc... Tu t'arraches les cheveux de la tête. Putain. Il va falloir que je revienne dedans, il va falloir que je repop là-bas. Putain, sans déconner quoi, sans... Le bordel qui te casse les couilles jusqu'au bout quoi. Voilà, 21 capsules, vous êtes en surcharge, mais what the fuck quoi. Putain. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Sans déconner quoi, sans déconner. C'est... Bon, je disais quelque chose de gentil en fin de compte. C'est pas gentil ce que je vais dire. Parce que c'est un jeu de merde. Non mais sans déconner quoi. C'est un putain jeu de merde. Voilà ce que c'est. C'est Bethesda, ils ont fait... Ils ont voulu nous faire un jeu multijoueur. Là je vais être méchant. Ils ont chié dans la boîte. Hein, ils ont chié dans la boîte, ils ont fermé la bobette. Et allez les gars, vous avez un jeu multijoueur même pas terminé. Voilà. Putain, mais sans déconner quoi. Mais sans déconner. C'est un truc de taré ce jeu. Si. T'aurais les concepteurs en face de toi, tu leur collerais des baffes. Putain. Non mais sans déconner quoi. Putain. Je le crois pas quoi. C'est... Là, je vais réapparaître, il va y avoir encore des mobs qui vont être revenus. Ah, peut-être pas. Putain. Hashtag jeu de merde. C'est
Moi qui avait commencé à dire quelque chose de gentil, qui nous avait rajouté des sacs à dos, qui nous avait rajouté le 16 mai ou je sais pas quand, ils vont nous rajouter un nouveau marchand. Et ils nous mettent une machine pour échanger les armes légendaires avec d'autres armes légendaires. Ils nous donnent Mais putain, sans déconner, faites-nous un jeu comme il faut multijoueur qui n'est pas buggé, bordel! J'en fous la moitié à côté, c'est cool. Voilà, casse-toi, toi. Non mais voilà, ils te spawnent un jeu et en fin de compte c'est quoi? C'est un jeu de merde. Et encore je suis gentil. Je suis gentil parce que je crois que c'est là que je suis mort. Même pas. Franchement, je sais pas quoi dire. Là, franchement, ça nous montre bien que Bethesda a chié dans la colle. Là, c'est le cas de dire. Ils ont chié dans la colle, ils ont voulu nous faire un jeu merdique. Et voilà. En fait, ils ont essayé de faire un jeu façon Battle Royale et c'est tout. Mais en post-apo. Tiens, toi tu m'as buté, fils de chien. Là. Regarde, je reviens. Bah, coucher. J'avais 500 balles. Et les 500 balles, je les ai crachées. C'est idiot. Ils ont voulu faire un truc, mais... Franchement, voilà, je peux pas dire. J'ai quand même trouvé quelque chose de gentil à dire, même si ce jeu c'est de la merde. Et j'avais arrêté de jouer, je vois pourquoi j'avais arrêté de jouer, j'ai voulu m'y remettre parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un Fallout. Je vais quand même laisser une chance à Fallout 76. Je vais laisser une chance à Fallout 76. Et voir ce qu'on peut lui trouver de bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, les amis, vous aura plu. Oh bah tiens, lui, c'est Colin Bastos. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à vous abonner.
je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.